l'autonomie, c'est uniquement en observant, en manipulant. Nous sommes partis du constat qu'aujourd'hui en France, de nombreux élèves traversent la scolarité sans mettre en place des mécanismes solides d'apprentissage. Ils quittent précocement l'école, ont de la difficulté à trouver un emploi et s'insérer dans la société. Encore aujourd'hui, peu d'outils sont adaptés pour les jeunes de plus de 14 ans en décrochage scolaire. En 2014, suite à la rencontre avec des adultes ayant pour beaucoup des difficultés de concentration, de repérage dans l'espace et certaines déficiences cognitives et sensorielles, j'ai développé une méthode utilisant l'origami, un pas à pas tactile et manipulable. On oublie les textes explicatifs, les mots compliqués, chacun cherche en manipulant, se crée sa propre stratégie. Mémorise physiquement le mouvement, mais aussi l'enchaînement et les formes manipulées. Et surtout, à la satisfaction d'aller jusqu'au bout de l'exercice. Bah, c'est super! Bah, bravo! Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'effectivement, quand on est dans un bouquin, on a le texte, on a l'image, le cerveau ne passe pas forcément aisément du texte à l'image, et effectivement, ça réapprend à manipuler justement à des personnes qui peut-être quand ils étaient bébés, pour une raison X, n'ont pas eu cet art de la manipulation. Plusieurs origamis sont proposés, présentés toujours de la même manière. On retrouve toujours les mêmes types de pliages. Progressivement, tout ce qui était difficile devient familier. Chacun développe sa propre bibliothèque de repères. Non, parce que moi, je regarde un peu l'intonisme avec son plâtre. T'as réussi ? Moi, j'aime beaucoup l'intonisme. Pour certains, c'est un réel travail de précision et d'utilisation de ces mots. Il y a la persévérance derrière, puis aller jusqu'au bout, même l'étape, le fait de s'organiser par étapes. Ouais. Il y a énormément de choses. Une fois que la personne est dans une situation connue et rassurante, nous pouvons alors y associer des mots de vocabulaire, utilisés pour la géométrie par exemple, travailler la numération, les fractions, mais aussi la narration, la construction d'une histoire. Toutes ces notions abstraites viennent se poser sur des repères qu'ils ont eux-mêmes construits. Une toile. Ils sortent de la maison, ils reprennent le bateau. Ouais. Le bateau, c'est page... Début 2018, nous avons développé une mallette pédagogique, facilitant l'introduction de certains apprentissages, en collaboration avec des écoles et classes spécialisées. Ah, alors... Il manque la tempête, je crois. Dans cette mallette, il y a deux classeurs sur le thème de la couronne en origami, accompagnés d'un carnet pédagogique. Dans ce carnet se trouvent des exercices de numération, de géométrie, de fraction, mais aussi de repérage dans l'espace. Tout peut être imprimé directement en version tactile pour personnes déficientes visuelles. Il y a aussi un classeur avec une pyramide en volume. Ces classeurs sont sous forme d'accordéon. Et dans la mallette, vous trouverez aussi une affiche reprenant les étapes d'un autre origami, le poisson. Est ajoutée une clé sur laquelle se trouve une vidéo. Une histoire de personnage créée à partir d'une feuille de papier qui se plie et se déplie, et la version didactique expliquant les pliages de l'histoire. L'objectif est de permettre aux enseignants d'introduire des notions fondamentales de manière ludique, d'adapter les supports en fonction de leurs élèves, et pour les élèves, d'intégrer et d'acquérir concrètement ces notions.